Merci beaucoup. Donc maintenant, deuxième témoignage, autre parcours. Anne Michelin, qui est chercheuse au Centre de la Recherche et de la Conservation des Collections. Donc c'est une femme scientifique qui va vous parler de ce qu'elle fait, de son parcours, qui a une présentation pour ça. Bonjour, donc moi je vais vous parler de mon métier commencer par dire que je travaille sur la caractérisation et la conservation des matériaux du patrimoine, et je vais revenir sur ma formation et pourquoi je suis arrivée là, sur ce métier un peu bizarre, je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Moi j'ai eu un parcours, quand j'étais en terminale S, j'adorais les sciences. Mais j'adorais aussi tout ce qui était culture. J'adorais, je faisais art plastique latin, je peignais le week-end, j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était musée, par tout ce qui était culture. Et en terminale, on m'a dit, à la fin de la terminale, on m'a dit, faites un choix. Il faut choisir, c'est soit vous êtes scientifique, soit vous êtes littéraire, mais vous ne pouvez pas être les deux. Alors comme je me débrouillais en sciences, comme j'aimais ça, j'ai dit, bon, ben, je vais continuer, je vais faire une prépa... Je vais intégrer une école d'ingénieurs, mais voilà, je savais pas exactement où j'allais exactement, mais je me suis dit bon, bah on va continuer et on verra plus tard. Donc j'ai fait mes 2 années de prépa que j'ai pas forcément beaucoup appréciées, je détestais la compétition, je n'avais pas du tout l'esprit qu'il fallait, mais j'ai réussi à intégrer une école d'ingénieurs qui n'est pas la meilleure, chimie physique Bordeaux, mais qui me plaisait bien parce qu'il y avait de la chimie et de la physique, pas trop spécialisée, et moi c'est ça que je voulais quelque chose assez ouvert. Donc je suis allée à Bordeaux, j'ai fait mon école d'ingénieur. Je me suis spécialisée en matériaux parce que moi, c'est l'aspect matériaux qui me plaisait. Si j'aime l'art plastique, si j'aimais le dessin, la peinture, c'est pour le côté matériaux. Et je suis curieuse et j'aime comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc je trouvais que ça correspondait bien à ce que j'aimais. Et une fois à Bordeaux, en fait, je me suis rendu compte que sur le campus, je pouvais avoir accès à d'autres formations. Et j'ai trouvé une formation... un master en recherche, caractérisation des matériaux anciens. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est revenir sur les biens culturels, c'est revenir sur tout ce qui se passe dans les musées. Donc là, j'ai les deux, j'ai à la fois les sciences et à la fois, ça satisfait mon goût pour les matériaux anciens et pour le passé. Donc j'ai fait un super stage à la fin de mon master 2 sur la caractérisation d'un trésor avec des fausses monnaies où on s'est amusé à faire... Enfin, pour moi, c'est du jeu. Ça m'amuse toujours de faire mon métier. Mais de se poser des questions sur comment ces fausses monnaies étaient fabriquées, de faire des expérimentations, de revenir en laboratoire et d'avancer sur ces conclusions-là. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, de l'archéométrie, c'est-à-dire des sciences dans le but d'aider un historien ou un archéologue. Donc j'ai trouvé ça génial, je me suis dit je vais continuer. Et la démarche en fait qu'on a en master recherche me plaisait beaucoup. On fait des hypothèses, on fait des expériences, on voit ce qui est concluant et on recommence si c'est pas concluant. Donc le côté recherche me plaisant beaucoup, je me suis dit je veux faire une thèse. Mais le domaine de l'archéométrie est un tout petit milieu, vraiment tout petit. Et au moment où je suis sortie, il n'y avait pas de thèse en archéométrie exactement. Donc j'ai trouvé une thèse qui correspondait à peu près à ce que je voulais, c'est-à-dire qui travaillait sur des matériaux anciens, en l'occurrence des verres archéologiques, mais dans un contexte industriel. Et là, j'ai travaillé donc au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique, donc dans l'industrie du nucléaire. Donc là, le lien, on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais en fait, il s'explique parce que les déchets nucléaires, en fait, on considère aujourd'hui qu'on va les destiner à être stockés dans des matrices de verre, dans des containers en acier, dans le sous-sol. Et ça, pour des durées extrêmement longues. Et ces durées-là, en fait, elles ne sont pas envisageables sur une échelle humaine. On est sur des dizaines de milliers d'années, voire plus. Donc, c'est vraiment des échelles de temps qui ne sont pas accessibles en laboratoire. Et donc, ils ont trouvé que c'était intéressant de s'intéresser à des matériaux qui étaient un petit peu plus vieux, des verres archéologiques qui avaient 400 ans. Et c'était déjà une première façon, en fait, de voir comment ça se comporte sur un terme un peu plus long. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis intéressée à ça et à mettre en place, à comprendre, en fait, les mécanismes d'altération de ces verres archéologiques. Et le côté comprendre les mécanismes d'altération, moi, ça me plaisait beaucoup. C'est comprendre comment la matière, elle se transforme,
On fait des expériences sur du très court terme, on fait des modélisations, on compare avec ce qu'on a sur nos objets archéologiques, et ça me plaisait énormément. Donc après, ma thèse, j'ai enchaîné sur deux post-doctorats, donc deux expériences de recherche qui tournaient autour de la compréhension de ces mécanismes d'altération. Donc, plutôt côté fer, j'ai travaillé pendant ma thèse côté vert, plutôt côté fer pendant mon premier post-doctorat. Et dans le deuxième, je me suis redirigée petit à petit vers le patrimoine, sur tout ce qui était calcaire et vitraux, donc tout ce qui était un peu monument historique. Voilà, et en 2013, j'ai postulé à un poste de maître de conférence du Muséum national d'histoire naturelle. Et je l'ai eu, et j'étais très contente. Et ce poste, en fait, il est rattaché à un laboratoire, donc le centre de recherche sur la conservation des collections, dans une équipe qui s'intéresse à la couleur et aux effets visuels. Et je me suis spécialisée, en fait, sur l'étude des manuscrits anciens et le développement de techniques non invasives. Donc, juste pour dire deux mots sur mon laboratoire, c'est un petit laboratoire dans une unité plus vaste, et on est trois équipes en fait, avec le laboratoire de recherche des monuments historiques et l'équipe recherche et conservation de la Cité de la Musique, à travailler en fait sur la conservation des biens culturels. Alors comme ça vous parle peut-être pas, mais en fait on fait plein de choses différentes. On a trois thématiques principales. On a une première thématique qui va s'intéresser aux objets en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il raconte en fait ? Je parle vraiment pas assez fort, désolée. Donc on va s'intéresser aux objets du patrimoine, et on va se poser la question, on va se poser plein de questions. On va se poser la question de cet objet, il a été fabriqué avec de la matière première, il a été transformé, on obtient un objet et il va être utilisé. Et sur toutes ces étapes-là, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions de datation, de provenance, de comment, quelle est la chaîne opératoire qui permet de transformer la matière première en objet, et simplement à quoi sert l'objet. Parce qu'aujourd'hui, vous savez à quoi sert cette bouteille d'eau. Dans 300 ans, peut-être que l'objet il n'aura pas de signification pour vous. Donc, on a une grande thématique qui est autour de ces objets et d'essayer de raconter leur histoire. Et raconter leur histoire, c'est raconter l'histoire de la société qui les a utilisés. Donc ça, c'est vraiment un aspect important dans les thématiques du laboratoire. Je vais m'asseoir. Désolée. Je suis à un jour de mon congé maternité, légèrement essoufflée. Et ensuite, l'objet, généralement, il est utilisé et après il est abandonné par la société qui l'a fabriqué. Abandonné ou au mieux il est relégué dans des réserves, peu importe. La conséquence c'est qu'il va s'altérer, il va se dégrader. Et ça c'est le deuxième axe du laboratoire où on va s'intéresser à tous ces mécanismes d'altération. C'est aussi pour ça que j'ai été recrutée, parce que j'avais le profil pour faire ce genre de choses. Et après, l'objet peut être redécouvert lors d'une fouille ou simplement parce qu'un jour, on considère qu'il est intéressant. Et on peut se poser des questions sur la conservation, la restauration. C'est-à-dire dans quelles conditions il faut que je garde mon objet pour qu'il vive le plus longtemps possible. Et s'il est trop abîmé, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour le restaurer ? Avec quels matériaux ? Pour qu'il n'y ait pas d'interaction ou ce genre de choses. Donc, au sein de notre laboratoire, on a différentes équipes. On travaille, vous voyez, sur des matériaux qui sont différents. Et nous, on est un peu une équipe transverse parce qu'on ne s'intéresse pas à un matériau en particulier, mais on s'intéresse aux questions de couleur. Donc, comme je vous disais, nous, on s'intéresse à la caractérisation des matériaux du patrimoine en privilégiant l'aspect couleur. Mais on s'intéresse aussi à développer tout un tas de techniques non destructives, donc où on ne va pas faire de prélèvement et où on va se baser sur l'interaction lumière-matière. Et je peux m'arrêter aussi. Hop. Et en fait, moi, mes projets de recherche, ils vont concerner, donc, comme je vous disais, beaucoup l'étude des manuscrits anciens, avec des questions qui sont vraiment d'archéométrie. On va essayer de sonder la matière, de comprendre la matière, pour donner des informations aux archéologues et aux historiens. Aux historiens, je ne vais pas y arriver. On a travaillé sur différents manuscrits. Le dernier en date, c'est le Codex Borbonicus, donc c'est un manuscrit aztèque, où on s'est posé des questions. On avait un manuscrit qui avait deux parties vraiment avec des styles différents,
Et l'idée, c'était de voir si les matériaux étaient les mêmes ou étaient différents. Est-ce qu'ils pouvaient nous renseigner sur l'époque où ces deux parties avaient été faites? Donc ça, c'est par exemple un type d'étude qu'on a fait. On a aussi des questions sur l'amélioration de la lisibilité. Donc là, vous avez deux études qu'on est en train de faire. L'une sur les manuscrits brûlés de Chartres, donc des manuscrits d'une bibliothèque qui a brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez à gauche un exemple de ces manuscrits qui sont à moitié délavés. Et à droite, ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de technique pour essayer de révéler ce texte qui est caché, qui est perdu. Et puis, on a le cas des lettres de Marie-Antoinette. Les lettres de Marie-Antoinette, c'est une correspondance où on a des passages qui ont été raturés, et donc on ne peut pas lire ce qu'il y a dessous. Et donc l'idée, c'était évidemment qu'est-ce qui a été écrit dans cette correspondance. Donc voilà, après on a des études qui sont plus théoriques sur comment on va traiter les données qu'on a obtenues avec ces différentes techniques. Et puis, j'ai aussi l'occasion de travailler sur d'autres objets de musée, pas uniquement sur les manuscrits. Donc, on fait partie d'un projet européen Hyperion, qui est en fait un laboratoire mobile. Donc, on nous demande de partir sur le terrain, analyser pour des conservateurs un certain nombre d'objets. Donc, vous avez ici le cas où on est à Londres sur une série de tableaux de Manet. Et à droite, on est à Madrid sur des sarcophages. Comme je vous l'ai dit, notre laboratoire, il est... Il travaille avec l'équipe de la Cité de la Musique, et donc on a aussi une étude sur des guitares électriques. Et enfin, parce que le côté mécanisme de dégradation me plaît toujours autant, j'ai aussi un sujet qui est sur le blanchiment du bleu outre-mer, qui est un pigment qui a été utilisé. Et donc, l'idée était de savoir pourquoi on avait ce blanchiment et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour y remédier. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc juste pour dire que moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de comprendre la matière. Je trouve ça toujours passionnant quand on a des bases théoriques, des choses que vous avez apprises là au lycée où vous apprendrez plus tard. Ça reste hyper théorique, vous ne savez pas pourquoi on vous dit ça. Et en fait, vous allez exploiter toute cette connaissance sur les matériaux pour leur faire dire des choses, pour les caractériser, pour en apprendre plus sur la façon dont les objets étaient fabriqués ou simplement dans la façon dont ils vont se comporter dans le futur. Et moi, c'est ces côtés-là qui me plaisaient énormément. Ça satisfait ma curiosité. Ça me permet de rester dans un contexte avec des musées, avec des biens culturels. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé le métier qui me passionne. Donc, vraiment, sur ce point-là, je rejoins tout à fait... Johanna, parce que moi, j'ai choisi le métier qui me passionnait et qui me permet vraiment d'être interdisciplinaire, de voir des gens très différents et de rester dans un milieu qui m'épanouit. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Un peu essoufflé. Donc, alors, vous avez vu, on n'est pas obligé de faire des métiers dans l'industrie quand on fait les sciences. On peut aussi faire des métiers qui se rapprochent de l'art et du patrimoine. C'est un peu l'idée de cette rencontre, c'est de vous dire que c'est pas parce que vous faites une voie scientifique que vous êtes cantonné dans des métiers très spécifiques. Concernant cette intervention sur ce que fait Anne, ou peut-être que vous souhaitez en savoir plus, notamment sur la façon dont vous avez réussi à lire les messages cachés de Marie-Antoinette. Parce qu'en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le laboratoire où travaille Anne a réussi à déchiffrer ce qui était en dessous des ratures. Et c'était dans une correspondance assez spécifique, parce qu'en fait, c'était au moment où elle écrivait, c'était au comte Fersen, qui est en fait son amant, oui, on peut le dire. Et donc, en fait, il y avait toute une correspondance comme ça qui a été faite entre Marie-Antoinette et le comte de Fersen. Et il y a eu des messages qui ont été raturés. Alors, ils n'ont pas été raturés par la reine, ils ont été raturés plus tard par les héritiers du comte de Fersen. On suppose. Et du coup, on se demandait quels étaient les messages, parce qu'on était évidemment dans la période un peu trouble qu'on connaît de la début de la Révolution française, et on se disait, mais est-ce que c'est des messages qu'elle lui envoyait en code, parce qu'ils étaient codés aussi? Est-ce que c'est des codes pour qu'ils viennent l'aider? Est-ce que c'est du code qui correspond vraiment à la Révolution française? Ou est-ce qu'on a raturé des messages d'amour? Et alors, on avait raturé quoi? Alors, sur la lettre qu'on a réussi à décrypter, c'est des messages d'amour. Mais donc, c'est pas politique, on n'est pas sur quelque chose. Mais c'est une étude, en fait, qui a duré un an pour l'instant, qu'on va continuer. Et donc, on ne sait jamais. Il y a peut-être d'autres choses cachées. Donc, vous pouvez faire des sciences pour lire des mots doux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez savoir plus des choses plus spécifiques? Oui, il y a une question.
Est-ce que le fait d'être ingénieur a eu une influence sur votre poste au Muséum d'histoire naturelle ou votre doctorat aurait pu suffire ? Alors, ça aurait pu suffire. Je sais que c'est pas négligeable. C'est-à-dire que mon dossier, il a été sélectionné pour que je passe les oraux de maître de conf parce que j'avais un diplôme d'ingénieur. Je sais que ça a joué. Mais par ailleurs, j'ai plein de collègues qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur du tout et qui ont réussi aussi bien. Donc, dans mon cas, moi, je sais que ça a joué, mais je sais aussi qu'il y a d'autres moyens de faire. Moi, mon parcours, il est relativement linéaire. Hein. J'ai réussi assez bien à enchaîner les choses. Ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde. Donc, on peut passer 2 ans à travailler en industrie, revenir, faire autre chose. Il peut y avoir des parcours beaucoup plus tortueux et beaucoup moins directs que ce que j'ai pu faire. Maintenant, je sais que les cartes que j'ai jouées ont bien marché. Ce n'est pas toujours le cas. Et juste pour revenir par rapport à Johanna, et moi j'étais une bonne élève, mais j'ai jamais été une excellente élève. Mon école, c'est loin d'être la meilleure école d'ingénieurs du monde, hein. Mais ça m'a permis moi d'avoir des bases solides. J'ai une formation d'ingénieur qui me sert, qui m'a énormément servi, qui m'a aussi beaucoup servi à apprendre à faire des présentations, à apprendre à réagir dans le stress. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans les formations universitaires. Donc moi, j'avais bien aimé ma formation d'ingénieur, même si dans l'école d'ingénieur, on ne comprenait pas ce que je venais faire là-bas. Mais ça, c'est pas grave. Oui, encore une question ? Ah, la neige. Ah, j'ai un concurrent déloyal. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a changé quelque chose dans votre travail ? Moi, personnellement, rien du tout. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai jamais ressenti. Après, je pense que ça dépend. J'étais dans une classe préparatoire, mais en fait relativement mixte. Hein. On devait être 50-50 filles-garçons. Après, en école d'ingénieur, comme il y avait chimie et physique, c'est pareil, c'était assez mixte. À aucun moment dans ma carrière, je me suis dit être une femme est un problème. Après, il y a des choses qui sont intimidantes. Hein. J'ai fait ma thèse au CEA, commissariat à l'énergie atomique, moyenne d'âge 55 ans, public très masculin, et vous êtes devant des industriels, vous avez intérêt à les convaincre. Mais être une femme ou être un homme, moi, personnellement, je n'ai pas vu franchement de différence avec mes collègues à aucun moment. Donc, je suis peut-être pas le meilleur exemple pour ça. Je n'ai jamais eu besoin de défendre cette position-là. Tant qu'on était bon, il n'y avait pas de problème en fait. Tant qu'on sait argumenter, tant qu'on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait, être une femme ou être un homme, ça n'a pas posé de problème. Est-ce que hors prépa, il y a un avenir pour les S ? Parce que à vous entendre, oui, bien mais sûr. J'aimerais bien heureusement, moi, c'est pas du tout un parcours classique. Hein. Le passage prépa, il n'était pas du tout imposé pour faire le métier que j'ai fait. Donc, dans mes collègues aujourd'hui, il y en a qui ont fait une fac, il y en a qui ont fait un IUT, il y en a qui ont fait, qui ont fait des parcours un petit peu différents. Là, moi, j'ai un post-doctorant, il a travaillé 2 ans. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait, ça ne lui plaisait pas. Il a repris une formation en fac. Il a refait un master 1, un master 2, et il est venu faire une thèse, et voilà, et il a un poste de... Alors, post-doctorat, c'est précaire, mais il a réussi à faire ce qu'il voulait après avoir fait totalement différemment. Donc non, c'est pas du tout un passage obligé. Disons que moi, je savais pas très bien ce que je pouvais faire, comment je allais faire, et qu'on m'avait dit, va en prépa, tu peux le faire. Donc, je m'étais pas franchement posé plus de questions. J'aurais peut-être pu me poser plus de questions à ce moment-là. Après, je ne regrette pas parce que les choix que j'ai faits m'ont donné la formation que j'ai actuellement et que je trouve très bien. Donc voilà, mais il y a autant de parcours différents que de personnes.
Et c'est aussi ça comme message. C'est, moi, j'ai rencontré des personnes à des moments précis qui m'ont permis de m'orienter, de m'ont montré des choses que je ne connaissais pas et qui font que j'ai réussi à trouver le métier qui me correspond. Et ça, c'est plus important, en fait, je crois. Avoir, alors, c'est un grand terme, mais un réseau, rencontrer des gens, en fait, faire l'effort d'aller voir des personnes, même si vous ne les connaissez pas, en disant « Ah tiens, ça m'a l'air intéressant ce qu'il fait, ben, je vais le contacter, je vais voir ce qu'il peut me raconter. » Ça, c'est vraiment très important, en fait. Oui, je crois qu'effectivement, et en plus, enfin, à la chance que des réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment une chance pour vous. Les gens sont toujours très contents de parler de leur travail. Il faut savoir qu'il y a toujours des questions d'ego, on adore parler de soi. Donc n'hésitez pas, en fait, si vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que vous voulez faire, il y a des gens, vous les repérez, vous les regardez, vous leur envoyez un email ou un message sur les réseaux sociaux et vous verrez, vous avez des fortes chances qu'ils vous répondent. Si la personne ne vous répond pas, généralement, il y a d'autres personnes qui font ce métier, hein, nul n'est irremplaçable. Donc en fait, n'hésitez pas, la question est vraiment, si vous avez des questions, allez-y, enfin, c'est vraiment l'opportunité. Où vous pouvez leur demander comment ils ont fait, vous pouvez leur demander ce qu'ils font, vous pouvez leur demander de partager des expériences, il y en a même qui vous accueillent sur leur lieu de travail et qui vous montrent. Les gens n'ont absolument rien contre les curieux quand elle est bien placée, la curiosité. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et moi, je vois à chaque fois que je rencontre des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui travaillent, la conclusion, c'est à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à m'interpeller. Donc je pense qu'à un moment assez crucial où vous êtes du choix, même s'il faut toujours se dire que c'est pas parce que vous faites un choix aujourd'hui que c'est un choix qui va vous engager sur toute votre vie. Hein. Y a pas de... Vous avez un droit à l'erreur et vous avez le droit de changer de parcours. Mais au moment du choix, c'est toujours le mieux de savoir, c'est de savoir ce que font les gens. Et le mieux des personnes qui est les mieux placées pour vous en parler. Alors vous êtes entouré par des professeurs et des conseillers d'orientation, mais on n'est jamais mieux servi que par les gens qui font eux-mêmes leur travail. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces rencontres. C'est un moment d'échange, donc il faut en profiter.